Léo, le bébé de Tristan, père transgenre, est né. Léo, le bébé de Tristan, père transgenre, est né. Le 14 juillet dernier, à 20h22, Tristan, père transgenre, a accouché du bébé de Bip, son mari. Il s'appelle Léo, pèse 4,25 kg et mesure 54,61 cm. Le petit Léo est arrivé. Le 14 juillet, à 20h22, Tristan Rose a donné naissance à ce garçon de 4,250 kg pour 54,61 cm. Un heureux événement pour Tristan et son mari Biff, qui l'attendaient avec impatience, après 7 ans d'amour. Il s'agit du troisième enfant du couple, qui a adopté Lay et Riley, les deux enfants de la sœur de Biff, il y a 6 ans. Tristan, 34 ans, est né femme. Il a entamé sa transition à l'âge de 19 ans, comme il nous l'a expliqué chez lui, à Portland, dans l'Oregon, quand j'étais au lycée. Je disais que j'étais un homosexuel dans un corps de femme. Tous mes amis étaient gays. Puis à l'âge de 19 ans, j'ai commencé à prendre de la testostérone. Mon corps s'est mis à changer. La barbe est apparue, j'avais l'impression de vivre en même temps une puberté et une ménopause. Émotionnellement, c'était très difficile. Mais au bout de 6 mois, j'étais un homme. Mais il n'a jamais poussé jusqu'à une greffe de pénis, cela coûte des dizaines de milliers de dollars, avec 50 de chances de devenir incontinent. J'aime mon corps tel qu'il est. C'est ce qui lui a permis de porter son enfant, en arrêtant pendant quelques mois son traitement hormonal. Je me suis lancé dans cette aventure parce qu'un de mes amis très proches a fait pareil. Je suis le seul à en parler, mais il y a de nombreux trans masculins qui sont dans le même cas. Je veux ouvrir de nouveaux horizons à ceux qui, comme moi, ont eu besoin de changer de sexe. Pour moi, c'est un devoir. Et tant pis si je reçois des courriers haineux.